Là. J'ai pas l'accent camerounais. Je suis camerounais, mais j'ai pas l'accent camerounais. Ce mec-là. Hein, tu dis quoi? C'est quoi ce G? T'es camerounaise, toi? Ah ouais, c'est pour ça. Est-ce que je connais mes... Bien sûr. Ma mère est de Bamenda, mon père est Bamiliké, du Haut Cap. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je dirais le poulet DG, mais quand c'est bien fait, sinon ça peut être un peu sec. Quand c'est sec, là, le ndolé, forcément, bobolo. Un bon coquille aussi quand c'est pas sec. Voilà. Tous les plats de ma mère, en tout cas, parce que ma mère sait les faire comme il faut, elle les fait mieux que n'importe qui. J'aimerais y aller plus souvent. Malheureusement, je fais beaucoup de choses, donc j'y vais pas vraiment souvent. Hein. J'y suis allé peut-être 3 fois depuis que je suis artiste. Donc c'est peu pour moi. J'ai envie de faire de grandes choses là-bas, mais il faut avoir les pieds. On connaît notre Afrique, donc pour faire un bon gros truc là-bas, il faut soit que t'es quelqu'un de confiance mais aveugle, soit que toi-même t'y sois. Et là, avec la vie que j'ai pas le temps d'y être, tu vois. Donc je suis encore un peu frustré. J'aimerais y être plus souvent. Soul, j'aime beaucoup. Sissoul, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il propose. C'est très, très afro-love. J'aime beaucoup ses inspirations. Je me retrouve un peu dans ce qu'il est en train de créer. Tu vois, ça me fait penser un peu à ce que je faisais, à ce que je fais encore. Tu vois, donc c'est ma cam. Full aussi, qui est en train d'arriver aussi, qui est pas mal du tout. Loco, bien sûr, qui est un pilier maintenant. Ténor et Minx.